Bon alors là, Yata contre 0FK. Ah ça va être chaud chaud les marrons chauds. Ils font quoi là? Ils font recette japonais ou je sais pas, ils ont l'air un petit peu hésitants là. Alors là c'est les douilles de qu'est-ce qu'on va choisir comme première map en DF. Bon de toute façon on sait que vous voulez mettre des maps en DF, vous mettez Shadow Moses avec Snake Eater en musique hein. Le remix hein, cela va de soi. Voilà, c'est. Bon, je sais pas ce que je suis censé commenter. Je crois qu'ils ont même pas. Ah si, ils ont fini Perfect Iso. Ah, mais ça nous montre des stages qui n'existent pas. Mais arrêtez de passer sur tous les stages comme ça. Là, on jouera jamais dessus. Oh là là. Oula, là, j'ai ouvert le navigateur par accident. Je vois plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le match a juste commencé. Non, en fait, c'était à l'écran de sélection de perso. Ah oui, bon là c'est l'étape obligatoire de Tom qui veut faire des trucs jolis, mais bon. Bon de toute façon, on s'en fout, hein, si c'est pour avoir un match de la qualité du dernier, ça fait un peu bader. Hein. Alors, là on voit mon pseudo, c'est mignon. Alors. Bah, alors Yata qui fait son gros whip avec son pseudo là. Ah c'est beau, bravo Tom, bah merci Tom. Hein. Encore une fois tu nous fais du très bon travail. Vraiment c'est le seul qui arrive à donner autant de personnalité à l'écran de sélection de perso. Donc là on part sur du Marf contre Mario. Bah, ça commence le light combo, une tout mix-up DI, mais bon Yata il s'est un peu foiré. C'est clair que là on arrive à l'étape où les gens ils sont pas gratuits comme moi qui est obligé d'attendre 256% pour réussir à tuer une Samus sombre. Alors là, oh, ça fait les combos tout de suite. Oh là là, c'est bon, on a compris, tu joues Mario, tu fais juggle repère. C'est bon mon gars, on a compris. Oh là là, mais le gars c'est bon, tu joues à Tekken mon gars. Voilà, t'as 0FK qui essaye de se débattre tant bien que mal. Et Yata qui douille à l'atterrissage, c'est vraiment très triste à voir. En 0FK qui fait bien de rester un peu défensif face à ce Yata qui bourre des trucs dans le neutral et ça passe. Oh là 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 là, mais arrête, tu fais que bourrer dans ta vie! Ah, magnifique le setup, hein, vraiment. Tu sens que le gars il a fait que ça comme setup en edgeguard durant toute sa carrière sur Smash 4. Bon, c'est dommage que malheureusement on n'est pas dans Smash 4, la Herald of Stage ça marche plus comme avant. Bon, je comprends aussi, moi contre Mars je flipperai un petit peu. Je flipperai un petit peu plus, c'était Lucina quand même. Hein. Voilà, bon, enfin 0FK il a réussi à caser un combo, ça fait du bien. Waouh, c'est quoi cette box foireuse là? Genre ça fait des anti-airs et. Non, ça anti-air, ça fait pas, ça touche pas dans les airs. Yata qui fait preuve de beaucoup de patience, hein. Je l'ai insulté de bourreur, mais au final j'ai fait erreur sur la personne. Ah, c'est clair que ZOFK là il commence à perdre un petit peu ses moyens, ça essaie de bourrer dans les pressings. Mais bon, les pressings de Yata ils sont pas mythos, hein. Tu respectes Yata. Et là, Yata qui fait un petit peu le fifou pour atterrir, mais bon, le punish game de 0FK est pas encore très 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 au point. Oh là, ça fait des paris. Mon gars, ouais, mais Yata c'est Daigumera. Oh là, 0FK il voit les frames. Hein. Ah, belle tentative de couverture pour le saut, mais bon, malheureusement, Yata il a des hitbox bizarres avec son perso. Bon, 0FK enfin réussi à reprendre l'avantage, ça fait plaisir. Allez, défonce-moi ça. Oh magnifique! Ah dommage pour le punish raté, franchement ça. Franchement c'est. On voit des beaux trucs mais Yata il se foire sur certaines phases, c'est quand même dommage. Oh mais gros zizi Yata, hein. Vraiment gros zizi énergie. Oh ah c'était sale. Ah c'était sale. Alors 0FK qui fait des combos, malheureusement il a pas réussi à couvrir ce neutral air. C'est dommage, il y avait vraiment possibilité. Ah bah là il a brûlé le compte, c'est bien passé. Je pense que Yata il commence à. Enfin il respectait pas trop la défense de 0FK. Il s'est dit c'est bon, il a peur de piffer, maintenant c'est gratuit. Sauf que 0FK il s'en fout, lui il va piffer, mais piffer avec un autre coup.
Là, ça joue bien la distance, ça poke, hein. De toute façon, c'est ce qu'on veut voir, hein. Oh là 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 là. 0FK qui fait bien de garder la distance, d'imposer un petit peu sa bulle. Alors, là c'est bon, il est en juggle. Ah, Yata a perdu avantage, c'est dommage. Beaucoup de risques pour tenter de kill. Et là, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, 0FK, il a un petit peu de mal pour remonter. On a à côté, on est contre Mario. Et waouh, mais c'est quoi ça? Mais le gars, il a cru qu'on était encore dans Smash 4. Mec, il est là, il se retourne, il fait up Smash, c'est bon, hein. C'est bon, mon gars, bientôt il va nous faire Don Crow, up tilt. Et là, on fait quoi? Donc, on part sur. Ils ont l'air un petit peu encore hésitant, ça va être du Battlefield. Allez, arrêtez, qu'est-ce qui se passe, ces maps? Bon Pokémon Stadium, hein, c'est le nouveau stage ville. Hein. Ils ont l'air hésitants. Et donc, je crois que c'est Smash Ville. Ouais, on part sur Smash Ville. Hein. Ça garde les mêmes bonhommes. Oui, bah, c'est. Mario, c'est le perso du cœur de Yata depuis le 1, même si il se prétend main Falco. Bon, donc là, on va mirer un match à peu près similaire. Là, ils sont en DF. Ah non, non, d'accord, c'est juste que je voyais pas la plateforme. Ah oui, j'ai le chat en fait qui cache la partie droite de l'écran, voilà. Donc là on commence et bah ça fait les backers, hein, pour zoner. Hein. Yata qui reste solide face au jeu de poke de 0FK. C'est là, ça se cherche, ça tente de conserver l'avantage, mais magnifique pari pour tenter de faire quelques petits dégâts à Yata, ils reviennent un petit peu en égalité. Et on me demande de faire les scores correctement. Ben, oh là, attendez, je suis un petit peu. Attendez, je sais pas si quand on ouvre ça. Voilà, donc c'est Yata, il a gagné le premier match. Voilà, comme ça on voit Yata, il a un point. De toute façon, on sait que c'est Yata qui va gagner, donc c'est même pas la peine d'afficher les scores. Hein. Oula, il se passe des trucs bizarres avec les hitbox. Hein. Donc là, oh là là, ça y est, ça vient un petit peu chercher en edgeguard. J'ai cru que ça allait tuer. Franchement, il y a très très belle tentative de couverture de up B par 0FK. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il a une recovery qui est un petit peu, même complètement linéaire, Mario. Et le up smash, très 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 belle read sur la tech. Sur l'air dodge. Ouais, sur l'air dodge, je sais pas, moi... Moi je suis d'un background jeu de combat, donc pour moi, j'ai des trucs comme ça, c'est recovery aérienne, c'est Intex, c'est air dodge, bon qu'importe. Donc là ça fait les petites boules, ça balance les boules, t'as 0FK, il tente d'approcher de façon safe avec son air. Un petit peu, essayer d'imposer sa zone, pousser Yata donc vers le bord de l'écran, mais Yata reprend l'avantage avec une petite... Petite air dodge bien sentie, ou tout un combo. Et là, les anti-airs, ça marche pas dans ce jeu. Hein. De toute façon, les hitbox, elles sont cassées. Et donc, Yata, il fait boubou. Le S est bon. Tu joues à Street Fighter, mon gars. Oh là là. Donc là, très très bon jeu donc, de la part de 0FK. Tu sens que le gars, il a envie de garder la distance. Il veut vraiment imposer sa bulle. Mais bon, Yata, il est là. S'il peut te douiller avec le fer, il te douillera toute sa vie avec le fer. Là, la plateforme a pas mal sauvé 0FK. Je pense que Yata, il voulait retenter un petit peu le fer en se disant c'est bon, il est tout le temps là, faire ses petits sauts là. Je sais pas si on m'a appelé, non, on m'appelle pas. Hein. De toute façon, je suis en commentary, hein, je vais pas bouger de là. Hein. Et là, Yata, il fait des petits trucs dans les airs, hein. Il cherche le combo, il l'a. Et là c'est bon, on est parti, c'est face match 4. Et non bah ça va tranquille hein, 0FK a senti le faire. Oh c'est dommage. Ah mais faut jouer Lucina hein. Faut jouer Lucina mon gars hein. Mais bon 0FK on va dire c'est le perso du cœur. Bonne tentative de spike hein, mais là. Oh c'est triste, hein, c'est vraiment triste.
Ah vraiment là je suis en train de pleurer hein. Oh mon tristesse. Bon des larmes et du sang mais bon de toute façon fallait s'y attendre hein. Je veux dire tu bourdonnais dans les airs avec Mario et puis dans le pire des cas c'est safe en shield. Dans le meilleur des cas, ça touche et tu fais combo et tu fais repère, repère. Et après, c'est les phases en mode wall combo à la Tekken. Ah, c'est clair que vu que tu peux pas se bourrer l'air dash comme dans Smash 4, là c'est. Là le pression stage. C'est BO5 là. C'est déjà BO5. Il y a des gens ils parlent dans le chat, non ils parlent pas. Bon je pense que je les ai un petit peu éloignés. Je comprends hein. Après tout depuis tout à l'heure je ne fais que. Non c'est Guimodas, non c'est Gerudo. Non putain j'ai envie que Guimodas il soit là, il me manque Gerudo, voilà, hop. Alors là c'est final. Final.